percebo. Eso es el percebe. Percebes. Se pousse pied. Percebes. Polisipes, polisipes. Uma ardeada. Duas ardeadas. Esto es la raspa o la rasqueta. Le gesel. Pues la distancia. Le long des côtes sud-ouest de l'Europe, les pousse-pieds sont consommés depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, des centaines de pêcheurs risquent leur vie sur les parois des falaises à la recherche de ce mets délicat. En Bretagne, les pêcheurs professionnels de pousse-pieds vendent le produit de leur pêche sur le marché espagnol, généralement avec l'aide d'intermédiaires espagnols. Ils partagent le littoral avec des pêcheurs amateurs qui maintiennent une tradition culinaire locale peu présente dans le reste de la France. La situation est similaire au Portugal, même si les pousse-pieds y ont une valeur plus élevée et que le nombre de pêcheurs professionnels et amateurs y est plus important. Une compétition intense entre les pêcheurs peut conduire à un déclin de la ressource. Ce phénomène est connu sous le nom de tragédie des communs. Un cercle vicieux duquel il est difficile d'échapper et qui affecte un grand nombre de pêcheries dans le monde. Dans la province espagnole de Galice, l'inquiétude sur l'état du stock de pousse-pieds dans les années 1900 a amené les pêcheurs à mettre en place une méthode de gestion tout à fait originale en Europe. Là, seulement les pêcheurs locaux peuvent exploiter le littoral environnant. Aucun autre pêcheur extérieur n'est autorisé à récolter ce fruit de mer. Ceci est connu sous le nom de transfert des droits d'usage pour la pêche. En échange de ce privilège, les pêcheurs doivent respecter les recommandations scientifiques et renseigner en détail leur capture. Et chose la plus importante, ils doivent négocier avec l'administration des pêches qui, quand, comment et où les pousse-pieds doivent être récoltés dans la zone. Cela signifie qu'ils doivent co-gérer la ressource. Cette méthode représente un changement radical de mentalité. Elle permet aux récoltants de s'accorder pour mettre en réserve des zones ou de mettre en place des rotations de manière similaire à la mise en jachère des cultures à terre. Le pousse-pied n'est plus l'objet d'une compétition entre pêcheurs, mais devient un investissement dans une grande banque qu'est la mer. Dans les Asturies, sur la côte nord de l'Espagne, les droits d'usage territoriaux sont également appliqués. Dans leur zone, les récoltants dédient chaque rocher à un usage particulier. Cette micro-gestion spatiale est l'une des nombreuses innovations qui émergent spontanément de la co-gestion. Chaque rocher est ainsi une petite parcelle qui reçoit un traitement différent. Les pousse-pieds ne sont pas la seule espèce à habiter ces zones de déferlement des vagues. La zone est composée d'une mosaïque de bouquets de moules, d'algues, de patelles, de pousse-pieds et d'une grande diversité d'autres organismes. Tous très différents, mais avec deux choses en commun. Leur capacité à survivre dans un environnement hostile et la capacité à rivaliser pour l'espace, la ressource la plus rare sur les estrants rocheux. Le moindre espace disponible est ainsi rapidement colonisé par les espèces à croissance rapide. Elles seront par la suite remplacées par d'autres espèces à croissance plus lente, mais avec de meilleures capacités de compétition. D'une certaine manière,
Ce processus est similaire à la cicatrisation d'une blessure. Les espèces se succèdent jusqu'à ce que le système original soit restauré. Ce processus continu de destruction et de recolonisation maintient l'écosystème dans un état instable et constitue l'une des principales causes de la mosaïque de microhabitats des zones intertidales rocheuses et de leur diversité. L'analyse de ces interactions représente l'un des domaines d'études les plus fascinants et les plus productifs de l'écologie moderne. La possibilité d'ajouter ou de supprimer facilement des espèces ou de manipuler les ressources disponibles a transformé l'estran rocheux en un laboratoire à ciel ouvert pour des générations d'écologistes. Les expériences ont permis de comprendre les mécanismes de recolonisation des espaces laissés vacants par des perturbations telles que les tempêtes ou l'exploitation humaine. En récoltant des pousse-pieds avec leurs outils, les pêcheurs laissent des espaces vides. Comprendre comment ces espaces sont recolonisés dans les mois qui suivent pourrait être très important pour une exploitation durable de la ressource. Les pêcheurs ont leurs propres idées sur ce processus. Après tout, ils passent de nombreuses heures en mer. Dans un premier temps, je pense qu'au niveau de la reproduction des pousse-pieds, l'endroit peut être recolonisé par les pousse-pieds. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi colonisé par des moules qui peuvent se réimplanter ou des algues. Parfois, quand vous récoltez qu'il y a des moules de grande taille, les pousse-pieds sont vraiment fins parce que les moules se développent sur eux. Toutefois, les pousse-pieds grandissent très bien dans les agrégats de petites moules jeunes. Peut-être parce qu'elles offrent une protection et une meilleure attache. Mais si les moules sont trop grandes, elles grandissent sur les pousse-pieds. L'abondance des moules dépend très largement de la force des vagues. En hiver, lorsque la mer est agitée, elle arrache les moules. Lorsque la mer redevient plus calme, elles se développent de nouveau. Leur population récupère, quand la mer est plus calme et l'eau plus chaude. De plus en plus, les scientifiques adoptent ces idées comme hypothèses dans leurs propres recherches. Le réseau de recherche européen Biodiversa a identifié l'étude de la pêche aux pousse à pied comme un exemple pour les autres pêcheries en Europe. En 2017, 6 universités et centres de recherche de l'Arc Atlantique ont lancé le projet Persebes, axé sur la compréhension de la récupération des populations et de leur exploitation durable. Et c'est une opportunité fantastique, non, de ter, usando la même méthodologie. C'est une fantastique opportunité d'appliquer les mêmes méthodes et de déterminer, dans le cas des pousse-pieds, si l'effet des interdictions et de la création de réserves marines est le même le long de son aire de distribution, au Portugal, en Bretagne ou aux Asturies. Une partie du projet consistait à installer des cages métalliques pour protéger des zones de pousse-pieds et observer la recolonisation des espaces laissés vides après la récolte. Ce que nous cherchons avec ces cages est d'empêcher leur exploitation par les pêcheurs. Elles sont recouvertes d'une épaisse grille métallique, suffisamment fine pour empêcher la récolte des pousse-pieds, de sorte que personne ne perdrait de temps à essayer de les récolter dans une zone aussi inintéressante, mais suffisamment large pour laisser passer l'eau, de sorte que les pousse-pieds ne ressentent aucune gêne particulière. L'évolution des populations de pousse-pieds dans ces cages a été comparée avec celle d'autres zones qui n'étaient pas protégées, évaluant ainsi l'empreinte de l'exploitation humaine sur l'écosystème et le paysage côtier.
L'expérience a commencé en juillet 2017, simultanément en Bretagne, en France, en Galice et dans les Asturies en Espagne et dans l'Alentejo au Portugal. Mais le projet Persebes s'est intéressé à un autre problème pas moins important, mais beaucoup plus mystérieux. Un lien invisible relie certains estrans rocheux à d'autres, même sur de longues distances, le transport larvaire. Les pousse-pieds sont hermaphrodites et leur reproduction est complexe. Sur ces images uniques obtenues par des chercheurs portugais, nous pouvons observer, en dépit de la faible résolution, comment les individus qui se comportent comme des mâles utilisent leur long pénis pour atteindre d'autres individus du même groupe. Le sperme féconde les œufs qui demeurent à l'intérieur de l'adulte jusqu'à l'éclosion pour donner naissance à de petites larves appelées larves nauplius. Les larves sont émises durant le jour et à pleine mer. Une fois dans l'eau, les larves se dispersent pendant 1 à 3 mois, avant de devenir des larves cypris, désormais capables de se fixer de nouveau à la côte. Contrairement à d'autres organismes benthiques marins qui recrutent directement sur les roches, les larves cypris s'attachent sur les pédoncules d'individus déjà présents. À partir de ce moment, les individus fixés se transforment, augmentent en taille et migrent progressivement vers la base des individus sur lesquels ils se sont fixés. Quand les pousse-pieds sont totalement développés, ils sont incorporés à un bouquet de pousse-pieds adultes. Après plusieurs semaines de dispersion par les courants, les larves sont capables de parcourir de grandes distances et de traverser les frontières. Ainsi, l'abondance des pousse-pieds dans une zone peut influencer la santé de populations éloignées de leur lieu de naissance. Les inconnus de ce fascinant voyage peuvent être une autre clé pour comprendre la santé et de l'abondance des populations de pousse-pieds. À l'université d'Aveiro et à l'ENSTA Bretagne, les chercheurs ont développé des modèles biophysiques de transport des larves pour plusieurs années. La plupart des espèces marines, poissons ou invertébrés, présentent une phase larvaire au cours de leur cycle de vie. Ces larves sont transportées par les courants. Comprendre les mécanismes et les patrons de transport larvaire est fondamental pour comprendre la dynamique des populations marines. Un modèle qui simule les courants est alimenté par une population de larves virtuelles qui nagent comme de vraies larves, vivent aussi longtemps que des larves réelles et restent à la côte lorsqu'elles atteignent le stade cypris. Mais tout ceci se déroule dans le monde virtuel d'un supercalculateur. Nous sommes ici dans le centre de calcul de l'Université d'Aveiro, qui contient les ordinateurs qui effectuent les calculs pour simuler la dispersion et la dynamique des larves dans le cadre du projet Persebes. La puissance de ce centre de calcul est comparable à celle de 1500 ordinateurs personnels de bureau et est concentrée dans ce système que nous appelons Argus. Mais le supercalculateur se nourrit de données, de beaucoup de données. Les prédictions du modèle sont affinées par les observations du nombre de larves qui arrivent dans chaque secteur. Cela est réalisé en récoltant des échantillons à de nombreuses dates et à de nombreux sites pour examiner et compter les larves cypris présentes sur les pédoncules des adultes.
Mais les effectifs de l'équipe de recherche sont limités et de nombreux sites d'échantillonnage sont difficiles d'accès. Heureusement, un nombre croissant de pêcheurs préoccupés par l'état de la ressource collaborent avec les chercheurs et les administrations. Le projet Persebes s'est tourné vers eux pour récolter ces échantillons. Ce type de collaboration est de plus en plus fréquent et permet d'élargir l'échelle spatiale des recherches. Très souvent, le seul intérêt des pêcheurs est d'être informé des résultats et de la manière dont ils peuvent être appliqués pour améliorer la gestion de la ressource. En juillet 2017, un groupe important de chercheurs du projet Persebes et un groupe encore plus important de pêcheurs ont commencé leur étude sur les pousse-pieds de l'arc atlantique. Des visites de l'expérience d'exclusion humaine ont lieu tous les mois. Au cours de ces visites, les cages sont ouvertes et les surfaces sont photographiées pour observer les changements dans la mosaïque des espèces de la zone intertidale et des populations de pousse-pieds. En parallèle, les pêcheurs obtiennent des échantillons pour estimer la fixation larvaire qui permettra d'affiner les modèles de transport. La mer nous a permis de bien travailler jusqu'au mois de novembre, mais très bientôt, la situation va changer. La force de la tempête a un impact direct sur les cages de l'expérience, soulevant des couches entières de pousse-pieds, de moules et d'algues. Il est difficile de savoir si les autres ont résisté aux tempêtes, mais on espère que oui. Il est difficile de savoir si les autres cages ont résisté aux tempêtes, mais nous l'espérons. L'écosystème est très dynamique. Le stress physique et la forte compétition pour l'espace sont la clé de son développement ici. Il semble que de toutes les espèces, les pousse-pieds soient ceux qui ont le mieux résisté à la tempête. Alors que les moules sont fixés aux rochers par un ensemble de filaments appelés byssus, les pousse-pieds utilisent un puissant ciment organique qui a attiré l'attention de nombreux laboratoires pour ses propriétés extraordinaires. Les pêcheurs ont repris l'échantillonnage et la récolte d'échantillons congelés continue régulièrement. Mais tout ne se passe pas en mer. Les premiers résultats des modèles de transport indiquent que les populations du Portugal ne sont pas connectées à leurs voisines du Nord, en Galice ou dans les Asturies. Les longues plages dans le nord du pays constituent certainement une barrière infranchissable. Toutefois, la Galice et les Asturies sont très fortement connectées. L'analyse des photographies commence à offrir une vision d'un monde inconnu, dynamique et étonnant. Les photos permettent d'identifier les vides laissés par les pêcheurs de pousse-pieds sur les rochers. Le retour à l'état initial de ces espaces vides est plus lent qu'attendu. Beaucoup n'ont pas récupéré après 2 ans. La croissance de la population se fait de préférence par l'extension des bouquets de pousse-pieds qui existaient auparavant. C'est pourquoi, sur les roches intensément exploitées où aucun pousse-pied n'est laissé, la récupération n'a pas lieu et d'autres espèces colonisent l'espace. Une autre surprise, les larves ne sédentarisent pas seulement sur les adultes, ils sont aussi fixés à la roche. Ces recrues isolées sont généralement associées à la présence de Lithophyllum tortuosum, une algue encroûtante qui a l'apparence du corail. Ces fissures et ces cavités semblent offrir un refuge aux larves cypris. Les agrégats denses de moules favorisent également l'apparition de nouvelles taches de pousse-pieds. Nous
Nous avons également découvert des espaces vides produits pendant les saisons de fermeture de la pêche. La cause la plus probable, le braconnage. Le braconnage est un problème majeur pour cette pêcherie. En ces temps de crise économique, les roches réservées par les pêcheurs représentent un butin intéressant. Les braconniers opèrent la nuit, parfois avec des bouteilles de plongée, et ramassent des centaines de kilos de pousse-pieds, bien plus que les quotas accordés aux pêcheurs professionnels. Ils se rendent fréquemment sur des sites éloignés, avec de nombreuses possibilités de fuite et difficiles à surveiller, et vendent ces pousse-pieds directement aux restaurants et aux détaillants. Le problème prend une dimension transnationale quand les braconniers espagnols se rendent en Bretagne où l'exploitation des pousse-pieds est encore marginale et où la ressource n'est pas autant appréciée. Il y a un peu de tout. Il y a, bon, ici, on a remarqué qu'il y avait certaines équipes organisées d'Espagnols qui venaient avec des 4x4, des Zodiacs, des remorques, etc., qui faisaient des migrations aussi bien dans le Morbihan que dans le Finistère. Certains de ces braconniers sont apparemment des exportateurs légaux qui utilisent leur voyage pour récolter illégalement des pousse-pieds. Ainsi, les braconniers espagnols font une concurrence frauduleuse aux pêcheurs bretons dont le marché est également espagnol. Le braconnage est un phénomène difficile à contrôler. Il met en danger les nouveaux systèmes d'usage exclusif du territoire et menace l'espoir de parvenir à une exploitation durable de la ressource. Les gardes représentent une dépense considérable pour l'administration et quelques personnes ne suffisent pas pour contrôler de vastes étendues de côtes. C'est pourquoi ils commencent à recourir aux nouvelles technologies. Par exemple, l'analyse de la composition atomique des coquilles peut aider à identifier l'origine des pousse-pieds vendus dans un bar. Les drones commencent également à être utilisés pour une surveillance plus efficace puisqu'ils peuvent être équipés d'un système de vision nocturne. Certaines solutions au braconnage sont entre les mains des pêcheurs. Dans le cas de Cangas, en Galice, la cogestion a évolué vers une organisation très structurée et permet aux pêcheurs de pousse-pieds d'avoir une organisation plus complexe et plus coopérative. Ils surveillent les rochers avec l'aide d'un nombre important de gardes engagés par les pêcheurs eux-mêmes. De cette façon, ils empêchent le braconnage, voire sanctionnent les récoltants de leur propre communauté. C'est dans ces endroits que l'on apprécie le mieux la capacité des systèmes de cogestion à élaborer des solutions adaptées à chaque problème. Après un second hiver sans incident majeur, la phase expérimentale du projet touche à sa fin. Les structures expérimentales sont démontées et les modèles sont alimentés par les dernières données recueillies. Les résultats verront le jour dans des revues spécialisées. Mais le projet a une dette envers les pêcheurs. Les pêcheurs se plaignent souvent de ne pas connaître les résultats des projets auxquels ils collaborent. Les publications techniques sont trop complexes et leur diffusion exige un effort supplémentaire de la part des chercheurs. L'organisation non gouvernementale WWF mène une activité intense pour promouvoir la pêche durable. Pour cette raison, le projet Persebes s'est associé à elle pour organiser un atelier afin de partager les résultats avec les pêcheurs, les représentants des administrations, les chercheurs et les organisations non gouvernementales. Au cours de cet atelier, ils ont pu avoir accès aux résultats préliminaires du projet, les confronter à leur propre expérience et échanger leurs expériences avec d'autres professionnels. Les résultats alimenteront les futures politiques qui aideront à gérer la ressource de manière durable.
simulamos uma exploração. Sabemos que o ser vivo. Comme tout le monde, les pêcheurs sont curieux. Ils sont intrigués de savoir ce qui se passe sur ces rochers qu'ils visitent si fréquemment. Ils apprécient l'existence d'interactions entre les espèces et les effets de leur activité sur la structure de la communauté. Mais il est passionnant de voir ces processus se refléter clairement et explicitement sur ces photos. Cet émerveillement est la récompense la plus précieuse pour les chercheurs. Les modèles indiquent que la dispersion des larves atteint des centaines de kilomètres dans différentes directions. Nos actions locales peuvent avoir un impact sur de grandes distances et la définition des mesures de gestion doit tenir compte de cette dimension transnationale par-delà les frontières. Ce que nous avons constaté, c'est que les droits d'usage territoriaux sur le long terme représentent une motivation majeure pour les pêcheurs, car le sens de la propriété les incite à s'impliquer dans la gestion et le contrôle de la ressource et permet l'émergence de la cogestion, qui est une responsabilité partagée entre les pêcheurs et l'administration lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Nous avons vu que la cogestion augmente la durabilité de la pêche, tant en termes économiques qu'écologiques. Transfert des droits d'usage territoriaux, cogestion, outils de gestion qui puissent garantir le futur des ressources marines en Europe. Peut-être que l'exemple des pousse-pieds peut être appliqué à d'autres pêcheries. Mais cela n'est possible qu'avec l'aide des pêcheurs. Ce sont eux qui sont les plus intéressés. Seule la rationalité et la collaboration permettront la survie d'un mode de vie ancestral, celui de chasseurs-cueilleurs de la mer. Après tout, ils le font depuis des millénaires. La última muestra del proyecto. Por ahora. Por ahora. Dans les zones que vous prospectez. Les adultes, des pousses-pieds. Oui, mais de quel endroit? Est-ce que vous avez une idée? Para. Dos ricos. Espera, espera. Dos ricos. Espera, 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 espera. Y por fin, brecha. Por fin.